du mené, c'est une plante. Ouais, c'est une plante. Qui ressemble à quoi? C'est une feuille, oui. Qui nous met jusqu'à... sécher. Oui. Et quand elle a séché, qu'est-ce qu'on en fait alors? On écrase et on met un peu de l'eau. On ajoute le lavande, le romarin, le thym et jus de citron. C'est ça le henné bio. Donc ici, tu n'as pas de modèle, alors c'est dans ta tête. Oui, c'est dans ma tête. Qu'est-ce que tu penses maintenant pour faire ça? Je regarde la femme où je suis en train de dessiner. Je peux avoir l'impression. Mais ça peut durer combien de temps le séchage? 10 minutes, 5 minutes. Culturel, mais on le fait en Inde, dans les pays arabes, en Afrique, c'est fait dans beaucoup de pays. C'est surtout pour les mariages, ouais. Les événements d'importance, les événements, quoi. Ouais. Mais aussi les gens qui utilisent le henna pour les cheveux, pour couvrir les gris. C'est un symbole de beauté. C'est naturel. Il n'y a pas de chimie, c'est totalement naturel. Qui t'a appris à faire ça? C'est moi. Comment tu as appris? J'étais en train de faire des exercices sur ma main et la main de mes parents, ma famille. Et les dessins, tu les inventes ou comment ça se passe? Sur les photos, les livres de henné, ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un style suivant les personnes qui les font? Oui, chacun aime un style différent. Donc tu peux expliquer le dessin berbère sur scène? C'est ça ce que je connais, même si je ne suis pas berbère, mais c'est ça. C'est comme je... plutôt géométrique? Ouais. Ou... Voilà. Le fond comme pas ça. Pas détaillé, quoi. Ouais, ah, comme ça. Pour avoir une henné qui dure plus longtemps, on mélange le citron et aussi les plantes médicinales. Si on les bouillarde avec l'eau. Mais on doit l'appliquer plusieurs fois. Ouais, on doit l'appliquer plusieurs fois avec le citron, la vinaigre, le thé, un peu de sucre.